Bonjour à tous. Ici, on va faire la dérivée de la fonction f de x est égal à 6, exposant 3x moins 2. C'est une fonction exponentielle parce que le x est dans l'exposant. Alors, pour éclaircir la situation, toujours mettez l'exposant dans une fonction exponentielle, mettez toujours l'exposant entre parenthèses. D'accord? Dans une fonction exponentielle. Ben, maintenant, je vous ai fait un rappel. Comment on dérive une fonction exponentielle? Si j'ai une base exposant x, eh bien, la dérivée, c'est ln de b. B exposant x. La dérivée de e à la x, c'est e à la x. C'est pour cela que c'est la reine des fonctions, parce que sa dérivée est elle-même. Maintenant, je dois dériver ça. Ben, tout simplement, je vais appliquer le simple thème des dérivées, c'est-à-dire les règles des dérivées. Premièrement, je me demande, est-ce que j'ai une addition-soustraction? Ben, j'ai un moins, mais il ne compte pas, il est dans l'exposant, il est dans les parenthèses. Multiplication-division? Non. La fonction exponentielle ne multiplie pas rien. Donc, j'ai une chaîne. Donc, la chaîne, j'ai une fonction phi, une fonction mère. La fonction phi, c'est celle qui est dans l'exposant, c'est u. Et la fonction mère, c'est celle qui supporte, c'est-à-dire la fonction de base 6. Donc là, ça ferait la fonction mère, c'est b égale à v égale à 6, exposant u, et la fonction phi, u, est égale à 3x moins 2. Là, je dois dériver chacune. Quelle est la dérivée de v? Ben, c'est une fonction exponentielle, ben, ça serait quoi? Ln, donc ln de 6, qui multiplie 6 exposant u. Et puis, quelle est la dérivée de u, u prime? Ben, ça, c'est facile. C'est une soustraction, donc je dois dériver chaque terme tout seul. Quelle est la dérivée de 3x? C'est 3, parce que la dérivée de x, c'est 1. Quelle est la dérivée de moins 2? C'est 0. Donc, un contrepoint. Ben, maintenant, tout simplement, je vais écrire ma dérivée, f prime de x. C'est la dérivée de la mère qui multiplie la dérivée de la fille. La dérivée de la mère, c'est ln de 6. 6 exposant u, fois la dérivée de la mère, la fille, qui est 3. Maintenant, je fais un peu le ménage. Le 3, c'est un coefficient, je le mets devant. Donc, ça me donnerait 3 ln de 6. 6 exposant u. Mais u, c'est quoi? C'est 3x moins 2. Ben, ça va être 3 ln de 6. 6 exposant 3x moins 2. Ben, voilà ma dérivée f' de x, je l'ai terminée. Donc, voilà, j'ai fait le ménage, j'ai fait tout. Il n'y a pas de ménage à faire. C'est ça, ma dérivée. Ben, voilà. Allez, bye.